Citroën C3 avec moteur essence PureTech, seulement 3,8 litres au 100 km. Et en février, Citroën C3 VTI 82 collection suréquipée est à partir de 129 € par mois sans condition. Citroën C3 avec moteur essence PureTech, seulement 3,8 litres au 100 km. Et en février, Citroën C3 VTI 82 collection suréquipée est à partir de 129 € par mois sans condition. Citroën C3 avec moteur essence PureTech, seulement 3,8 litres au 100 km. Et en février, Citroën C3 VTI 82 collection suréquipée à partir de 129 € par mois sans condition. C3 avec moteur essence PureTech, seulement 3,8 litres au 100 km. Et en février, Citroën C3 VTI 82 collection suréquipée à partir de 129 € par mois sans condition. Maintenant je fais un truc.
liberté, j'en suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Dirigez vos poignées d'amour vers l'ascenseur pour continuer les tests. Le test qui suit comporte une plaque de foi aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Que saviez-vous? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle, que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule.
pardon, je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité, c'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous, et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation, ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Ils sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. L'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test ? Désolé. Retournez en prendre un autre. Oh, zut, je l'ai détruit aussi. Pas grave, nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande, vous m'en débarrassez.
Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. T'es très gentil. Ah, c'est pas grave. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test, qui n'en comportait pas. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassée, n'est-ce pas? Voilà, essayez voir. Je ne croirais jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensez que j'étais... Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre... adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Essayez donc.
qu'un oiseau, dingue, non? Et donc, l'oiseau. Vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Quelle classe! Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf.
Eh bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui, j'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer.
Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite. Bonne nouvelle, j'ai trouvé comment investir l'argent que j'ai pas... ...argne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Formidable, la porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Hé, hey, par ici, là-haut. J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé l'office. J'ai... Ah ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai ? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe, ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà. Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vus. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests.
Bravo. Je vais même le porter à votre dossier, dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante, dans l'ensemble. Bravo, je vais même le porter à votre dossier, dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante, dans l'ensemble. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. Pense-moi. Cible perdue. Activez recherche. Mode veille activé. Posez-moi. Recherche. Mode sentinelle activé. Bonjour. Il y a quelqu'un? Erreur critique. Thank you.
vous fais pas. Pour maintenir un cycle de test constant, je simule la lumière du jour à toute heure et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire! Vous vous rappelez que je vais vivre éternellement et que vous mourrez d'ici 60 ans? En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Enfin, plutôt, une procédure médicale d'anniversaire. Bon, une expérience médicale d'anniversaire, si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau.
Ok, ça marche. Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue.
Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture. Quelle découverte lui a valu un prix, je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Vous vous dites sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes justement en train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis tout émue. Ouais, c'est qui se l'arrête.
Exécution surprise. Dans 3, 2, 1. J'ai tout inventé. Surprise. Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer.
Tenamba. Tenamba, de quoi? Ah bah ça. Oui. Non.